amis, ça là j'espère que ça bien. Max Soyos se retrouve pour le para en allemand. Bon, j'ai 43 les gars, hein. j'ai pas encore la j'ai 42 Vu le prix, ce sera peut-être qu'une réduction dessus. Je ne sais pas, on verra bien. Par contre, bonne nouvelle, euh, j'ai débloqué donc le Tiger 2. J'avais déjà débloqué le Pershing, puis je l'avais oublié en fait. Donc je vais des ben, hier, j'ai débloqué le Tiger 2, j'ai l'argent pour l'acheter, sauf que bah ben, maintenant, j'hésite entre le Tiger 2 et le Pershing. Voilà, beaucoup d'hésitations, je ne sais pas encore euh, ce que je vais faire. Euh, attends, ouais, non, c'est bon, je vais, aller, je vais aller là plutôt. Je ne sais pas encore, je me tâte. J'ai été retester euh, le Tiger 2, le Pershing et l'IS2 euh, sur euh, le prototype. Et bah, pour ce qu'ils ont fait, en tout cas actuellement, hein, je dis bien actuellement, euh, le Tiger 2 va aussi vite que le Pershing maintenant. Voilà, euh, dans tout, hein. Limite, il est même mieux je trouve au euh, niveau des donc <laughs> Toujours l'armure pété, hein, ça ça n'a pas changé. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage quand même parce que c'était quand même... Le Pershing c'est quand même une grosse victime. Pas autant que le IS2 hein, vu qu'il est plus lent. Mais maintenant ça s'est égalisé. Le IS2, limite, il est un peu plus rapide, il me semble. Hein. J'ai fait très peu de tests vu que j'ai pas pu vraiment en profiter. Que le Pershing. Il me semble. La, la vitesse est très proche euh, sur les trois. Maintenant, bah, tu as toujours l'armure qui est complètement pété. Je vous ai gardé des petites images, mais je ne vais pas vous les mettre ici. Je vous, la met, euh, je vous les mettrai euh, quand je ferai la vidéo. Mais j'ai quelques images de présentation sur euh, les bah, sur les deux. Le perché que j'avais oublié de Bon, je sais pas ce qu'il va traite euh, faire fouiller l'autre là, mais je vais aller sur le point. Donc j'ai 43 à monter, euh, basiquement, hein, j'ai mis les balles. Euh, les patronnes je crois, je sais plus, bah ouais celle juste avant les s 7 n quoi. Il fait longtemps que j'ai pu jouer au là. Putain, ah bah ok, il est à droite. Il est arrivé au même moment vu que j'ai pas réussi à le détecter. Ah merde, l'avion est passé, c'est la merde. Pas de bol. Bon, surtout qu'on a l'air de perdre ces deux. Ouais mais les autres sont tous sur eux aussi, ça va être chiant. On va essayer d'aller sur le toit allez ah, chaud droid mais bon voilà j'hésite mais en tout cas pour le prototype actuellement le tiger 2 il va être encore plus polyvalent vu qu'il a une aussi bonne vitesse voire plus intéressant dans, dans tout ce qui est merdique euh, donc euh, les champs et tout ça que qu'avant je vais essayer de, de tirer sur lui merde il m'a vu alors vilaine où tu te caches oh non il y a trop de... mais ouais il est sur 300 sur le poids putain en plus, j'ai pas la lunette sur mon profil, c'est chiant. C'est coûte trop cher, quand tu vois les prix des lunettes, c'est abusé. Et là, j'ai qu'un 2, alors, copie. Moi si... Ouais bah, non, de toute façon, je pourrais pas changer de ligne, mais ils sont tous sur ces trois, j'y arriverai à rien, mec. Ah si, ils ont changé de ligne, attends. On va aller sur, C'est ça sert de m'éterniser là, ils sont trop nombreux. La foterie ne pousse pas. Ça sert strictement à rien, forcément, l'avion, à a 3 km. C'est vraiment ça qui est chiant, c'est l'avion qui fait n'importe quoi. C'est plus chiant en fait. Parce que après, le, le parrain est complètement cheaté. Il atterrit, il fait une roulade easy. Voilà, il fait aucun bruit, il y a des pantoufles, le mec, c'est horrible. Franchement, c'est complètement abusé le parrain. Par contre, j'aurais le poing normalement. Voilà. Ouais, j'aurais le poids Est-ce que je peux pas le spotter lui Yes, tellement épique. <laughs> je peux le spotter en l'air. <laughs> N'importe quoi franchement, ça c'est bête. Bon, par contre. Oh <rire> Bonjour <rire> Ça va toi Moi ouais, ça va. Ah. Attends, euh, attends Kevin, je peux te soigner. Fais-moi XP Foiré Reviens Hé hey, Kevin Ah ah Ça c'est une... Euh... Il y en a même deux. Voilà, tiens. Bon, il est passé où l'autre J'ai Eh hey, Eh oh Non, mais il sort brôle de sa vie, franchement. Eh <laughs> hey, Kevin Je vais te soigner Non, <laughs> move mouf Fils de chienne <laughs> On va te faire enculer On va te faire foutre <laughs> Sérieux, tu m'as saoulé Touché, deux fois. Avec un sable de merde. Oh, un petit para. Ah j'ai du mal, j'ai du mal Je suis plus habitué à ça les lunettes, c'est horrible Il est passé où l'autre Ah il est là Ah bah non c'est un allié Allez pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi Crétin, en m'a fait peur Attends Bah il est où Ah surtout qu'on doit attaquer. Ah il est peut-être tout près euh, de la montagne Là GG il a été se cacher le petit villa. Mais voilà, c'est surtout ça. Il faudrait qu'il le patch. Elle, déjà, de euh, je trouve que niveau slot, on est, on est trop peu. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. On a trop peu de slots. On devrait au moins avoir un chargeur de plus. Hein. C'est pas normal d'avoir aussi peu de chargeurs. Surtout quand t'es à la mitraillette. Pareil pour le chat, on devrait avoir un chargeur de plus. Je me suis un petit peu pris la tête sur, euh, le, sur la discussion Steam. Euh, justement, sur le fait que euh, les pilotes, les. Les tanks pouvaient transporter des H3, hein. c'est pas normal, c'est rien à foutre là. Surtout que t'as bien un message qui, qui t'a dit que t'es pas censé l'avoir, hein. Mais tu peux l'avoir, les H3. Ouais, mais vas-y. J'aurais pas dû prendre cette map en fait. Sans la lunette, c'est chiant. Là, nah, il est là. Ouais, ouais non. Tiens, on va reprendre la vie Voilà s'il a... touche c'est qu'il a désactivé cette texture <laughs> Sauf qu'il va attendre que je peux relève pour me battre une balle je pense Il est où Ok Waza Il est où le deuxième Il est là Il se cache et regarde, il a sa petite tête juste là. Arrive pas à la voir. Yes. Euh, Bouffe-moi ça. Ah oh, merde, il y en a, a, a d'autres maintenant. Il est où Bah, il est où C'est quoi ce délire Attends, il y en a là Krah, oh, sérieux. Oh, il a bien joué avec ça, de... m 2 M'en fous, je t'ai eu. Je me suis patate. <laughs> Excellent. Bah, en fait, c'est ça, il faudrait que le para fasse plus de bruit à côté. Il atterrit, il devrait faire un bruit de toile qui atterrit déjà. Un bruit, de, un bruit du personnage, tu vois, quand, quand il tombe à terre. Genre, pas, pas, peut-être pas le même bruit que, qui, qui prend des dégâts, limite si, tu vois. Parce que voilà, c'est quand même éprouvant d'atterrir avec le para. J'ai jamais fait, hein, mais c'est pas un truc easy <tousse> que tu fais rouler, bouler. Euh, là voilà, c'est pas. Hein, c'est pas Rambo, les mecs. Hein. <laughs> Tu dois ressortir quand même quelque chose. Là, genre, ils font ça comme si c'était des putains de, de, de soldats Universal, Universal Soldier, quoi. Regarde, je suis tombé sur le rad, lui. Tu pas vu Allô Ah, ouais. Ah, le petit vilain. Attends. Oh là, avec un sable de merde en plus. Toi, je t'avais pas vu. Non, j'ai touché. Je pense pas que était avec un Je pense que j'ai touché son bras. Et vu que c'est comme le rifle, bah dès que tu touches le bras, c'est plus euh, automatiquement. Même avec les cassables, ou sur les cassables. C'est la même chose. Mais c'est pas si plaisant que ça, le parent. Ça devrait être plus intéressant, quand même. Je sais pas. Euh, pff, le fait que l'avion fait n'importe quoi, c'est ça qui casse tout, en fait. saute Ah merde. Je crois que j'étais. Bon, c'est pas grave, ça passera. Normalement. Alors, une petite chose, si vous voulez gagner un. Hop, 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 hop. Up up hup, hup Esquive Matrix <laughs> Non euh, J'aurais peut-être pas dû finir dans l'eau parce que là il va, me, il, va, il va me défoncer ma mère Ah en plus je suis là à bord. Allez avance, avance Il y a pas une échelle là Non. C'est pas grave, je, je vais passer de l'autre côté. Je ne sais plus ce que je disais maintenant. Je sais plus. Moi je vous me laisserai un petit, un petit texte, je ne sais plus. Je ne sais plus de quoi je parlais. J'ai perdu le fil à la fin. Bah, bon, ça va peut-être me revenir. Plus du tout de quoi je parlais. C'est Non, il y en a un ennemi là. Petit vicieux. Oh, j'arrive pas. <laughs> j'arrive pas. <laughs> j'ai visse comme une grosse merde. Ah STG Ah ah Non c'est allié ça Oh GG Mais voilà, il suffirait vraiment qu'il qu fasse plus de bruit quand il tombe Pour éviter tout le temps de surprendre dans le dos, c'est trop chiant Parce qu'il faut qu aucun bruit Qu'il fasse un bruit quand il atterrit Un bruit de toile limite, et un bruit du personnage Qu'on aille une, une... Une... Une trousse en plus de, de munitions Ok, il y a un mec juste là, tout le monde s'en fout Yes il se re-brawl quoi. <laughs> à la limite, il tirait pas le mec aussi. C'est bizarre. Et pour le torque, bah le torque il pilote plus d'H3. C'est pas normal d'avoir H3. Ils sont si pas sur le serveur de H3. Donne-moi ça toi. Viens là toi. Oh, j'arrive pas. Oh, il y a sur Bon, faut que j'en ai un derrière moi. Mais que plus d'H3, c'est n'importe quoi, franchement. T'as déjà le tank comme un avantage. T'as de comme l'infanterie. En plus de ça, tu peux détruire d'autres chars qui t'ont détruit. Ça veut dire que les mecs qui, qui prennent plus de risques que les mecs qui campent, ont plus de chances de se faire niquer, parce qu'il suffirait que, qu'il voit qu'il soit, voilà, tu le back, tu le tues une fois, le mec, il, il est pas con, il va sortir de son tank, tu vois, pour éviter de mourir. Et bah là, bah, si, si a bien joué, si t'as un tank lent, et bah, tu te fais niquer. Voilà, tu, tu te fais niquer easy par le mec. C'est pas normal. Tout ça parce qu'il peut avoir des H3, c'est vraiment pas logique. De toute façon, il a rien à dire, les H3 il devrait... Euh... Bah en tout cas on verra bien sur la mise à jour, mais il devrait réduire, euh... bah, augmenter les slots. Deux slots pour des mines, deux slots pour des H3, c'est pas normal. Ouais, oh, je t'ai vu, je t'ai vu, t'es mort, t'es mort, c'est calme, t'es mort. Toi t'es mort aussi. Bon, attends, on va reprendre totalement sa vie, avant de faire le con. je oh, j'arrive pas. Non mais... Ah mais il me saoule les parrains. Regarde, j'entends que dalle, mec, je joue, je joue. avec du son, j'entends rien. J'entends rien, il me saoule dessus. En plus je vais perdre la capture parce que les alliés viennent d'arriver. Chier. Allez, 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 vas-y, vas-y. Plus vite, plus vite. Non, c'est trop casse-couille. T'entends rien, tu vois même pas l'ombre. Si tu ne mets bien, tu vois pas l'ombre, c'est trop chiant. Donc tu dois gérer la forterie parce que la forterie déjà de base, elle est nulle, hein. En plus de ça les parrains, c'est trop chiant. Franchement, c'est trop chiant. Bon, bon au moins ils sont pas capturés. Ça me fait chier parce qu'en <laughs> même temps bah, ils, ont, ils ont pas eu la capture. <laughs> Moi j'ai rien loupé. Ah oui je disais voilà pour avoir la Cœur 2 plus, plus rapidement il faut se parachuter euh, le plus haut possible et se lâcher je crois je crois que c'est ça ou alors euh, plutôt relâcher je sais plus si c'est ça je crois que c'est ou l'autre hein. ou alors relâcher plus rapidement possible euh, bah, le plus près possible du sol le, para, euh, le, le parachute. C'est ça ou l'autre, je sais plus. Je sais plus du tout vous dire. moi bon, ça fout l'auto avec. Euh... Ah, mais c'est des alliés, ok. Wow, wow, wow. Encore derrière moi, encore derrière moi. Vous franchement. Hier, avec Sorgli, on s'est fait de partie. On est tombé sur 4 ou 5 paras qui nous tombé sur la gueule à chaque fois. On savait rien faire. On a gagné, hein, mais. <laughs> C'était trop chiant. Ça, parce que tu les entends pas toujours derrière toi pendant que tu es en fight. Toujours. Allez. À ma droite. En tout cas, j'espère vraiment qu'ils vont faire quand même un truc qui soit beaucoup plus lent que le Pershing sur le prototype. C'est pas normal qu que maintenant le Tigre 2 sur la mise à jour. En tout cas, voilà, prototype, il est en développement. Donc, c'est pas, sur... pas encore la sortie officielle. Ben, c'est pas encore le résultat officiel. Donc, on verra bien. La vidéo que je vous ai proposée, c'est, ce qui était pris, bah, en développement, quoi, hein. Je l'ai bien expliqué, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pas le résultat final, hein. Et si vous l'avez pas compris, c'est que, que vous avez mal compris. Voilà. <laughs> c'est votre faute. Oh, il y a du people, là. Oh, il a du cul. Il a du cul. Ramenez-vous, il a du cul. Allez, ramenez votre cul. Je veux votre cul. Allez, on capture, on capture, on capture les bases Ok, là il a du style, il a du style, il a tout, il a tout, il a tout, tout cache-toi, cache-toi. Il a, il a une origine. Ok, elle crève. Ah, là c'est bon. Mais bon, voilà, je suis encore là, hein. je suis encore là avec la FG42. Mais je ne sais plus, voilà, je ne sais plus du tout si il faut. Je crois qu'il faut euh, sauter le plus rapidement possible du. De l'avion et sortir directement le, le parachute, ouais, je crois que c'est ça. Plus longtemps t'es en l'air, plus tu gagnes XP. Ou alors il faut décrocher le plus près du sol le parachute, je ne sais plus. Mais bon, c'est n'importe quoi que le parachute peut, peut, voilà, sortir son parachute à deux centimètres mm du sol, c'est n'importe quoi, quoi Ça, plus les pantoufles. Bon, mon chat, tu franchement, tu me fatigues. Et si tu veux pas que je te dégage en... <laughs> sur la vidéo, t'as intérêt à te calmer. Hein. Mais bon, voilà. Mais je vais, je vais réfléchir un petit peu hein, si je prends le Pershing ou euh, le Tigre 2. Je vais bien à voir. Je ne sais pas. Mais de toute façon, je prendrai les deux. Eh bon Il me faudra juste du temps pour récupérer mes 290 92 si vous voulez. <laughs> 92 000 pour euh, le Pershing ou le Tigre 2. De toute façon, je montrerai les deux, c'est sûr. Le Tigre 2, hein, si tu t'es mis... Oh bah c'est bon, t'as gagné, mon chat, tu m'as saoulé. Ah là voilà, c'est bon, tout le monde va le voir en plus. Ouais, c'est bon, t'as gagné mec, t'as gagné. C'est pas la première fois que tu me fais le coup. Tu m'as saoulé, c'est bon. Voilà. J'avais déjà prévu plusieurs fois, là c'est fini. Euh, Qu'est-ce qu'en plus euh, j'ai oublié ce que je disais Que le Tigre 2 a un frontal de malade, mec. Il a un, un frontal de malade, c'est quasi. C'est presque impossible de le détruire à part euh, au niveau du mantelet et du canon. Et voilà, côté toile que je vous avais montré, mais il faut être de côté, de face, c'est que le mantelet et du canon et c'est ça marche pas toujours. C'est ça le pire, c'est que ça marche pas toujours. Je vous laisse ici, on se retrouve, ben. Pff, on verra bien. <laughs> Peut-être un euh, petit retuto sur euh, un petit peu l'interface. Euh, pour les, vraiment les nouveaux joueurs pour euh, un petit peu expliquer j'avais fait déjà ça avant mais vu que l'interface a un petit peu changé pas des masses mais on a eu quelques petits trucs en plus je pense que je vais refaire vite fait un petit tuto euh, sur l'interface et puis peut-être donner des petits points stratégiques euh, j'en donne déjà sur mes gameplays, mais je sais pas je ferais bien je vais peut-être faire un truc comme ça si j'arrive pas à me décider sur lequel acheter voilà, de toute façon l'argent ça va monté au fur et à mesure je perdrai pas d'argent bah, pas du temps pour acheter le perché. Voilà. Enfin, bon. mm -hmm. Allez, je suis en train de me sourire, On se dit à très bientôt sur la chaîne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis. Votre avis, les amis. Sur ce que vous pensez du para, du talk, des H3, voilà. Ce que vous voulez. À limite, euh, d'autres jeux de uh, w 2 si vous avez des questions, n'hésitez pas, les gars, je ne mords pas. Je ne mors qu'en jeu. J'agresse en jeu, jeu c'est normal. Parce que ça me <laughs> C'est le seul moment où je peux prendre du plaisir. J'arrive pas à prendre du plaisir. Ça me fait chier. En plus, on a fini ce The Villowasing 2, donc, c'est la merde. Ben bon, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à vous à, à chaque fois, je n'arrive pas à le dire. à vous abonner à la chaîne. <laughs> si le contenu vous plaît. Voilà. Mais Eros, je pense que ça va commencer à se... Ben, voilà, maintenant qu'on a un des deux talks over prod, si on n'avait pas eu ces deux-là, avant le para, je pense que j'aurais arrêté euh, les vidéos des roses. Ah, Mais il me reste encore à faire, j'avais acheté au moins les pistolets aussi sur, euh, sur le torque, ouais. Euh, acheté euh, le P-08 sur le torque, euh, allemand, et le revolver sur le torque euh, américain. Mais le russe, je m'en fous, la PPD-40, elle est, elle a assez de balles dedans, donc j'ai pas besoin de prendre le pistolet. Ça, ça vaut plus le coup de garder la PPD-40, vu toutes les balles qu'il y a dedans. Tu mets le cadre de tir, elle est, elle, est, elle est vraiment bien. Elle te suffit. Pas besoin d'un pistolet. Alors que les autres, bah, c'est mieux pour euh, gagner des slots. Puis c'est plus intéressant que lmp 3 o 4 et que lâme 3 o Voilà. Au enfin, bon. Allez, à demain. Bah ben, euh, ouais non, plus à demain. À la prochaine. Salut.